Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge. La maison est endormie, on peut commencer tranquillement la partie du jour. Le soleil se lève sur ta nez. Oh, dis donc! Commence pas! T'as une toilette ici! Qu'est-ce qui t'empêche d'aller bouger? Hein? T'es pas loin? Enfin, non, tu préfères aller dans les buissons. Toi, t'es très nature dans au fond de toi, finalement. Voilà, tu vas faire ton petit pipi. Tu vas faire ton petit manger. Et t'avais fait ça. Tu vas faire tes devoirs, du coup. Ça te fera les pieds. Ça a bien fait pour toi, Arthur Couillère. Mais dis donc, je pense que. Non, pas encore. Albert ne va pas encore grandir. Mais quel dommage. J'ai tellement hâte de voir ce que le petit blondinet de la famille va donner. Petit blondinet, ben oui, parce que Germaine a grandi et Germaine. Ben, Germaine est rousse. Eh oui, les roux ont envahi la famille de Saint-Paul. C'est comme ça. Joséphine, ses gènes ont été plus forts que les gènes de Pierre-Nard. Nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons que nous repentir et aimer et glorifier les roux. Après, je pourrais très bien faire encore un autre enfant, mais là, je sais pas. Hein. Ça fait beaucoup, hein, on verra. S'ils ont vraiment besoin de divertissement, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tant mieux. Je suis en train de vérifier, mais non, je leur avais pas fait faire crac-crac. Hein. Ouh là là. Oh non, non, non. Bon, ben c'est bien. Les cours d'Arthur, les cours de Gustave, les cours de Louise, les cours d'Albert. Louise! Louise, ma chère Louise! Louise, elle a l'impression de puer du bec. Tu vas prendre un bain? T'auras pas le temps de manger. Mais je te mets de quoi manger et on verra. Albert! Toi, Albert, tu vas jouer au docteur tout de suite, comme ça. Et après, tu iras aux toilettes. Arthur, lui, c'est bon. Et Gustave, 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 il a besoin juste de divertissement, effectivement. Bon, écoute, tu vas jouer à la poupée, t'as raison. Vas-y, fais-toi plaisir. Et toi? Ah bah, tu vas mettre cette tenue-là, d'accord? Je ne savais pas quelle tenue elle allait mettre. Je vais me poser la question. Voilà, elle va mieux. Joséphine, elle est parfaite. Tu vas commencer à faire le petit déjeuner. Une omelette. Allez, omelette pour tout le monde ce matin. Après, tu vas nettoyer. Albert, comme ça, lui. Oh là là. Ah oui, bah autant j'avais bien bossé avec Louise que là, Albert, au niveau des compétences perso, c'est pas génial. Oui, il remonte son empathie un petit peu, mais on n'y est pas encore. Hein. Ouais. Lui, ça remonte. Lui, fait ses devoirs. Enfin, jouer à la poupée si tu veux après. Pierre-Nard, qu'est-ce qu'il raconte? Pierre-Nard, il dort. Il va pouvoir se lever tranquillou, il va aller aux toilettes. Aha! Tenez-vous à carreau, les gens. Papa est debout. Après, il va s'asseoir. Comme un bon père de famille. Il peut pas s'asseoir. Ouais, si, quand même. S'asseoir. Arthur a fini. La petite, elle se lève. À mon avis, elle est colère. Parce que elle a faim. Non, non, tu fais pas tes colères. Tu viens ici. Ça suffit. Bon, maman, elle sert à manger. Enfin, allez, hop. C'est pour tout le monde. Hop. Arthur, bah, tu vas aller en cours. Ah bah non, toi, t'as mis cette tenue-là. Bah, écoute, c'est bien. Tu vas pouvoir faire ta vie. Manger du gâteau au lieu des omelettes. Ah bah oui, hein, c'est meilleur le gâteau, c'est sucré. Hein. Ça va mieux au papy. Hein. Je crois que la petite, elle pue. Ouais. Toi, tu vas
réviser assidûment, toi aussi. Albert, tu vas juste aux toilettes et après tu vas en cours. Allez, on te laisse faire. Après, tu iras en cours aussi, Joséphine. Louise. Oh, elle a besoin de divertissement, la pauvre. Devenir meilleurs amis, non? Bon, bah tant pis. Tu peux te divertir rapidement? Ouais, non, il faut que tu ailles en cours. Allez, va à l'école! Va te faire engueuler. Joséphine, elle fait le ménage. C'est parfait. Non, non, Joséphine, tu peux continuer, vas-y. Bravo, Louise, elle a terminé son projet scolaire. Albert, il va aussi, du coup. En cours, c'est parfait. Tu vas donc réviser assidûment. Non, c'est bon, il y va. Et il révise assidûment aussi. Fiernard! Bah, il t'a l'air d'aller bien, bien, Pierre-Nard. Ah, ouais, bah, ouais. Tu vas sûrement pas donner un bain à ta fille, hein, je te le dis direct. Hein. C'est pas à toi de le faire. Hein. Tu peux discuter avec elle, éliminer la journée. Voilà, c'est bien. Et puis, tu vas, toi, te divertir, et puis après, tu vas te mettre au boulot. Maman. Maman Joséphine. Maman Joséphine. Hop, tu vas nettoyer ça. Et tu vas donner un bain de mousse à Jermaine. Because Jermaine is fucking stinky. À fond même. Jermaine, c'est la clone numéro 2 de Joséphine. Je pense qu'elle a le petit nez de sa maman. Lettre d'amour. Gustave prend son déjeuner. On attend la suite. On a l'habitude. Allez, go! Lui, il est en train de jouer. D'accord, Fiernard. T'es à fond, là. Vas-y, fais-nous voir. T'es balèze ou t'es pas balèze? Il est toujours beau gosse, hein, mon Pierre-Nard. Et puis après, comme d'hab, le jardin. Et ça, tu le feras quand t'auras envie. On ne te force à rien, évidemment. Tout se passe bien, les petites, les femmes de la famille sont dans la salle de bain. Bon, je vais faire tout de suite la petite amélioration. Ah ouais, mince, je voulais pousser les murs un peu, mais ouais. On va faire ça. Ah mais non! Mais les gens, vous êtes bêtes! Moi, je veux. Je vais juste agrandir ça, en fait, hein. Mais si j'agrandis par là, ça me supprime le devant. Oh, vous êtes chiants! C'est-à-dire qu'il faut que je bouge chaque pièce. Quand même. Comment je vais faire ça, moi? On va commencer par la salle de bain. On va faire deux carrés. Comme ça, il y aura de la place. Hop. Ici, c'est... deux carrés aussi. Là, il y a un trou. On va se faire déplacer. Ok. Là, on est bien. Vous voyez, là, il y avait la démarcation. Je pense que c'était la première partie de la maison. Quand on était encore pauvres. Faites-moi voir les murs, tout va bien. Il y a des trucs qui ont sauté, apparemment. Attendez. Je suis pas suivie. Ah ouais, il y a une toilette qui a foutu le camp. De quoi elle peut pas croiser d'autres objets? Mais non, il n'y a pas d'objet. Ah oui, c'est la porte. La porte, elle est là, normalement. Voilà. Là, il y a une porte. Là, il y a une porte. On est bien. Je pourrais aussi agrandir. Bah, les chambres, elles sont grandes, hein, ça va. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Ouh, le gain de place que ça fait pour le séjour. C'est hallucinant. Mais il faut que je modifie là-haut aussi.
puisque je veux que l'escalier reste à la même place. Comment je vais faire cette affaire? Ouais, faudrait que je fasse du coup. Bah oui, parce que là. Hop. Hop. J'ai dû faire copier. C'est pas grave, on va supprimer ça. On va agrandir comme ça. On va agrandir comme ça. Eh! C'est parce que j'ai pas le bon. Oh putain. Hop! Ça fait moins de trous dans la maison. Ah, j'ai perdu une porte. J'ai perdu une porte. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était à cause de mon bug de construction, je pense. J'ai un lit, bah ouais, c'est tous les bugs que j'ai eu et que j'ai pas pu... quand je pouvais pas... que ça voulait pas construire. Donc j'aimerais te bouger et te mettre là et peut-être mettre deux. Voilà. Du coup ça, je le bougerai quand même ici. Mais ça veut dire que j'ai un truc qui est condamné. C'est pas grave, on va faire un petit bout de mur. On verra, on dira pas qu'il y a rien derrière, ça fera partie du décor. Au-dessus, comment on est? On est bien. C'est vrai que ça, je devrais le bouger. Ici. Qu'est-ce que ça a fait? Mais non. Bon, je sais pas ce que ça m'a fait. Ah oui, mais j'ai pas dit là, j'ai dit à l'étage. Voilà! Là, je suis plus d'accord déjà. On va le déménager ici, qu'on va allonger. Et ça, je vais le copier. Tac! Comme ça, c'est sécurisé. On est bien. Il y a peut-être un peu trop de fenêtres au niveau ici. Ça, je vais mettre ça là. Je vais mettre une petite loupiote ici. La petite loupiote. Là. Tac. Ouais. On va mettre là. Ici, on va égaliser. On va remettre la porte parce que sinon, on pourra pas rentrer. Mais j'ai plus ma porte. D'accord. On pourra plus rentrer dans la chambre de la demoiselle. Comment elle s'appelle? Louise. Bon, on a fait. Il y a quand même gain de place. Peut-être pour faire deux salles de bain. Je vais peut-être faire ça. De toute façon, on a de quoi faire. Hein. On a de la thune. Mettre une... Ce truc ici. On va prendre des murs. On va diviser ça en deux. Il y aura une pour garçon, une pour fille. Ouais, je pense qu'on est bien comme ça. Au moment là, j'avais pas prévu, je me suis dit juste je vais agrandir en bas et je me vois maintenant que je dois tout modifier. Ah, saloperie de fenêtre qui prennent deux carreaux et pas un. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On a encore une baignoire. Ouais, il n'y a pas de place en fait. Par contre, il y a une toilette. Là, on est bien. Après, ça peut être juste un toilette. Et puis, une salle de bain. Pourquoi pas? On peut faire ça. On peut faire ça. Hop, tu vas mettre le lavabo ici. Tu vas peut-être plus centrer ça. Là, on n'a pas de porte pour aller aux toilettes. On va juste bouger la fenêtre. Escours! Bouger la fenêtre. Voilà! J'ai la fenêtre et ajouter une porte. Ça devient un peu plus classieux. Juste un peu. On est loin encore de ce que j'aurais voulu faire pour la maison, mais... S'il faut, il y aura un épisode spécial reconstruction de la maison. Bon, on n'y est pas encore. Hein. C'est pas indispensable, on a la place. On a la place pour pas mal
là, le séjour, il est quand même beaucoup plus agrandi. Oh oui, c'est vrai que la cuisine, maintenant, elle fait... On peut en mettre, hein. Ah oui, non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Pourquoi il fait nuit dans cette... Peut-être devrais-je changer de place. Tac, mettre ça ici. Hop. Mettre là comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça! Zut, hein, ça sert à rien de toute façon. Peut-être mettre une vraie poubelle dans la cuisine qu'il faudra vider toutes les 5 minutes. Ouais. Bah ouais, bah y a que ça qui ressemblait à une poubelle pour l'époque, on va dire. Donc... Ah pardon, je me suis trompée de touche, c'est ça. C'est moche, mais bon. Ah oui, c'est vrai qu'il fait nuit. Je vais bouger la loupiote, je vais la mettre plus ici. Là, ouais. C'est bien. Notre maison, elle prend du grade. Forcément, le toit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il manquerait pas de fenêtre ici? C'est pas beau. Ah, c'est pile entre deux murs. Ben voyons. Là, ça va. Et ici, c'est pas non plus centré. Parce que là, je suis derrière la... Ah non, je suis dans la chambre des parents. Je vais en remettre une. Oups! Oui, alors j'ai la fenêtre pour les escaliers. Ben non, on va la mettre là, la fenêtre. Ici, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule fenêtre là. Voilà. J'aime pas trop la démarcation ici, mais si je mets le mur plus loin, ça va prendre la place de la rambarde. Et moi, je préfère avoir la rambarde, en fait. Il y a quand même 4 fenêtres pour l'espace couloir, hein. Alors qu'il y en a 2 dans les chambres. Il y a comme qui dirait, une couille dans le potage, parce que c'est peut-être un peu beaucoup. Qui sait, peut-être qu'après, avec tous les travaux qu'on fera, on changera. Par contre, les toits, ils sont affreux. Hein. Ouais, les toits sont vraiment affreux. Bouf, voilà. La petite maison. Peu à peu, elle prend du galon. On est loin de la petite bicoque du départ. Avec un seul lit de 2 places et puis tout le reste... Là, on a de la thune, hein, quand même. Voilà. Donc, bah, Joséphine, si tu sais pas quoi faire, tu peux essuyer. La petite, elle va super bien. Alors, c'est super. Tu vas venir ici, Germaine. Je vais voir si c'était qu'une question d'ampoule pour la... Ouais, ça va, c'est éclairé. Quand même pas trop de fenêtres, mais... En même temps, c'est sombre aussi, donc c'est pas forcément facile. Mais tu vas venir là, et tu veux aller prendre des choses à ta fille. Tu vas apprendre à parler. Voilà. Là, on a le temps, vu qu'il n'y a qu'une seule bambinette. On a le temps de lui apprendre des trucs. C'est un peu comme avec Louise, qui, elle, avait appris beaucoup de choses. Par contre, les garçons sont tellement arrivés les uns sur les autres que... Là, on a le temps de rien. À part de s'énerver sur... À part de s'énerver sur les monstres, sur la lessive et autre chose. Du coup, ouais, bah, ils révisent tous assidûment, c'est parfait. Puis Arnard, il continue son jardin, donc tout va bien. Puis Arnard qui observe. On n'aurait pas besoin de bouquins. Parce que relire Pudding, machin... On va acheter des livres, tiens. Voilà. 12 teintes de crac-crac. Allons-y.
aiguiser votre esprit. Archéologie, ouais, pourquoi pas archéologie. Au bout de la jetée, c'est cher ça. Ouais. Bien-être, volume 1. Explorer le lien entre le corps et l'esprit. Billy et la cage aux poules. Ouais, on va acheter des bouquins. Super, tu pourras lire des nouveaux livres, Pierre-Nard. Parce que là, relire des livres que t'as déjà lu 15 fois, c'est pas très intéressant. La petite, elle va faire quoi? Ah non, alors du coup, Joséphine, tu vas lui apprendre à aller au pot. Parce que je suis pas sûre qu'elle sache le faire. Ça, elle saura y aller comme une grande après. Comme j'ai dit, on a le temps de lui apprendre des trucs à la petite, donc c'est parfait. Bon, ça manque un peu de d'ambiance musicale. Vous ne pensez pas allumer musique que à les classiques? Voilà. On est plus dans l'ambiance là quand même. À qui la compétence peau? Ah, elle n'y avait pas encore été. Bon, ben voilà. Non, c'est ici compétence. Ah d'accord, non, elle n'avait pas été. Je pensais. Alors bientôt on aura la bonne saison. Et j'ai forcément pensé que l'été je ne pourrais plus avoir le feu allumé dans le Decade. Et je vous rappelle qu'il est allumé depuis le tout premier épisode, ce feu. Il n'a jamais cessé. Et ça me rend triste parce que comme j'activerai forcément les saisons aussi dans le Decade, et ben, il y aura des moments où il faudra que j'éteigne le feu alors qu'il est là depuis le départ. Ça me rend triste d'avance. Ou alors je le laisse allumer et s'il y a canicule, on va les voir mourir de chaud. À voir, ça pourrait être rigolo, mais je suis pas sûre que ça le fasse, quoi. Notre maison. Grande maison. Avec 40 000 simflouzes, je pourrais me permettre de refaire quand même pas mal de choses. Je pourrais. Parce que mon intention était de faire comme un petit manoir château, j'avais dit, il me semble, au début de la série. Et on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas du tout même. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais au fur et à mesure, en fait, c'est compliqué. J'aime bien le faire directement et pas au fur et à mesure, mais bon. Peut-être que je me prendrai de courage à un moment donné pour refaire la maison. Pourquoi pas, après tout. Alors, voilà, Arthur a un A, Louise a un B, et tous les gosses sont rentrés de l'école. Ouh là 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 là. Alors. Non, non, on va voir qui a besoin de divertissement. Alors, Louise et Albert. Louise, Albert et Arthur. Louise, Albert et Arthur. Arthur, surtout, oui. Tu vas jouer avec Albert et Arthur, c'est possible. Allez, vous allez tous vous entraîner. Fais pas cette tête-là, Louise. Regardez-moi ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle est jolie? Elle est jolie. Jolie, jolie. Tiens, petite photo. D'ailleurs, j'aimerais bien garder un souvenir de la famille avec des photos, mais c'est possible, hein, ça existait déjà à l'époque. Mais il faudrait avoir le stand photo et faire le truc ancien et tout, c'est possible aussi, hein. Y a pas de problème, il faudrait que je le fasse. Comme ça, on garderait dans un cadre photo la première génération, en fait. Je le ferai peut-être au moment d'aller à la guerre. Mais pourquoi personne veut jouer avec elle? Quel est le bordel? Ça ne veut plus fonctionner. Tout va bien. Les garçons! Meilleure créature du vide. Oh là là, vous me cassez les burnes là. Raconte ta résolution de conflit. Allez. Il y a moyen de. Pourquoi le truc il est cassé ou quoi? Vous avez 24 heures payé facture. Ah! Ça, c'est du domaine de Pierre-Nard. Toi, tu vas aux toilettes. Et pourquoi ça ne fonctionne plus? Je ne peux plus cliquer. Allez. Ouais, je sais, ma belle. Va te divertir. J'ai acheté des nouveaux bouquins. Donc ça devrait aller pour toi. Tu devrais être contente. Oh là là. Va jouer un peu. Qu'est-ce qu'il est? Ouais, ils jouent avec son truc. Ils jouent avec leur truc. Bon, bah voilà. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu marcher avec le truc à machin, là. Le truc à machin.
Qu'est-ce qu'il va dormir, Albert? Dis donc, arrête tes bêtises un peu. Tu vas jouer au docteur, parce que après tu vas grandir. Ah oui, il y avait une armoire ici. D'accord, c'est pour ça qu'elle est dans mon inventaire. Il y a l'armoire qui a sauté. Il me semble, hein, je dis pas de conneries, hein. Il y avait quelque chose ici. Je sais plus. Alors, je regarde sur mes anciennes vidéos. Ah! Pierre-Nard, on t'a pas demandé de faire les... Oh! Tiens, tu vas prendre un bain. Prends un bain de mousse. Je ne suis plus un bébé. Tu seras toujours mon bébé. Alors, hein? Voilà. Ça, les résolutions de conflits, comme c'est le truc que j'ai du mal à monter. Contrôle des émotions est pas au top, hein. Le reste, il est bien, hein. T'iras te courir pour te vider l'esprit après. Ce sera bien. Pourquoi t'es pas habillée, Joséphine? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi? Tu vas aller... beaucoup trop mal à l'aise pour faire ça. Ah, d'accord. Mauvais conseil pour le pot. Bah non. Très mal à l'aise. Mais t'es sérieux? C'est juste ça? Oh là là. Mais non, mais c'est bon. Va courir. Allez, zou. Il y en a pas un qui va bien dans la baraque ou quoi? Lui, il pleure. Jamais pas un ours. Ouh. Oui, parce que c'est pas la période, mon petit. Tu vas aller aux toilettes? Si tu veux, tu vas aller jouer au docteur. Et puis tu feras tes devoirs après. Non mais où? Albert. Albert, il grandit pas encore, hein. Pas encore le cas. À l'instant, il joue, il s'amuse. Et Gustave. Gustave, il mange. Gustave, il va être beau gosse. Je le sens, je le vois dans ses yeux. Dans ses yeux verts. Et elle est toujours pas bien à cause de son pot. Mais elle était chiante aussi, toi. Tu iras jouer à la poupée après. Louise, elle fait son footing. Alors, vous voyez, elle a la tenue rose. Tandis que maman, elle a la tenue noire. Maman, elle a la tenue noire parce qu'elle a le corset, donc c'est beaucoup plus sexy. Hein. Je changerai quand Louise sera adulte. Elle pourra être plus sexy, plus féminine pour rapater du mal. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Tu cours pas des masses, hein, Joséphine, je dis ça comme ça. Tu fais plus marcher que courir. Hein. Ah, regardez, il y a des flaques d'eau. Bon, je sais qu'il y a toujours eu des traces, mais j'avais jamais vu le reflet, en fait, que ce soit vraiment de l'eau. Ouais. C'est pas mal, hein? C'est un avant-goût des saisons. Et après, on verra de la pluie partout. On fera, oh, mais fais chier, il pleut! Il y a de très grandes chances, d'ailleurs. Lucas Petit. Tu veux venir à ma fête d'anniversaire? J'ai envie de dire... Ah, au manoir de Laconite, c'est chez... ils habitent... Bah non, ils habitent pas. Bah, j'ai envie de dire oui. Façon, tout le monde s'amuse, machin. Allez, on va aller à l'anniversaire du gamin et on verra comment il grandit, s'il est beau gosse ou pas. Voilà. Donc c'est lui qui grandit. Hein. Discuter de la paix. Il a les super chaussures roses, dis donc. Donc on va voir s'il est beau gosse. Donc ça c'est chez les Vator, normalement, chez Caleb et machin bidule. Ah, je veux dire, il n'a pas de famille, mais si, c'est ici. Mais ça, c'est pas des personnes qui sont dans le monde. Hein. Donc ils viennent juste de les mettre là-dedans pour l'événement. Mais ils habitent pas là. Hein. Je sais parce que j'ai fait un tour, juste avant de commencer là, cet épisode, j'ai fait un tour dans le monde pour voir. Et je me dis, j'ai vraiment pas beaucoup de familles dispo qui sont installées dans les maisons. Et qu'il faudrait peut-être que je le fasse. Ou que si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Comme ça, je les retrouverai à l'occasion dans la maison. Bon, après, ça va au niveau style. Ça va plutôt bien au niveau style. Ah, il faut s'amuser. Vous me rassurez, les gens, vous n'êtes pas des vampires. Et toi, tu es qui? Sébastien Petit. Tu as complimenté aussi. Tu vas illuminer la journée. Il est jeune adulte, hein. S'il te plaît, on pourrait te caser avec lui, hein. Je regarde comment il est.
Il a l'air de dire, appétissante la petite là. C'est un pervers. C'est un pervers. Tu vas complimenter, hein, tu vas être sympa avec tout le monde. Par contre, il est où le gâteau d'anniversaire? Ah, il est là! Trop bien! Il y a un traiteur. On va jeter les bougies d'anniversaire quand même, ce serait dommage. Bon, par contre, hein, heureusement, on est sur une maison qui fait un peu époque, avant notre époque même, je dirais. Donc là, on lui offre les bougies, tant pis, hein, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Alice Crawford, bah dis donc. Tu peux te présenter, mais... Elle est bizarre, cette fille. Elle a les cheveux trop courts, hein, quand même. Bon, alors, tu vas vite fêter ton anniversaire ou comment ça se passe? Parce qu'ils ont le même âge, on dirait. Enfin bon, c'est pas les mêmes, hein. C'est Lucas qui va grandir. Tu vas les féliciter. Tu vas... raconter une histoire drôle. Fais un peu de tâche, quand même. Merci. C'est marrant, ça. Des bacanailles! Discuter de la paix dans le monde. Se renseigner sur l'école. Discuter sans intérêt. Bon, on va voir après comment il grandit, hein, puis si c'est un BG ou pas, quoi. Oh, oh mon dieu! Il y a des araignées dans les toiles d'araignées! Oh, je savais pas! Attends, mais alors là, je suis écœurée. Parce que... Ah, j'avais jamais joué avec une toile d'araignée dans une maison, moi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je suis choquée. Toi, tu vas... Tu touches pas à ton téléphone. Il n'existe pas, ton téléphone. Ça y est! Ça y est! Il grandit. Ouh! Ouh! Pas mal! Pas mal, monsieur. Vous avez de beaux yeux. Vous avez les cheveux longs. Ah, remarque, il a un profil très bizarre. C'est... Bon, après, il est habillé bizarre aussi, mais... Bon, on verra si son frère, il est pas mieux que lui. Il est trop horrible. Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Tu vas flirter rapidement, et puis après, on va rentrer, parce que... Elle meurt, elle meurt, elle meurt. Ben non, prends un truc à manger, cocotte, alors. Prends une portion. Tu vas prendre une portion. Et alors, tu vas le draguer un petit peu, qu'est-ce qu'il va dire? Genre, hey, t'es pas mal. Est-ce que tu veux manger mon cupcake? Il fait de la musique, mon cupcake. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi? Je sais pas, il n'y avait pas de bulle. Je peux pas inventer des conneries, elle a pas fait de bulle pour parler. Bon, ben voilà! L'anniversaire. Naïefouf. Ah, mais je suis curée là. Pouh! Quelle horreur. Finalement, je mettrai pas de toile d'araignée dans mes maisons. C'est pour qu'il y ait des vraies araignées dégueu dedans. C'est no way. Voilà, elle se remonte un peu le moral. Ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est qu'il n'y a pas de télé et tout. On est vraiment... on est plongé dans l'ancien temps, quoi. Ça aurait été un anachronisme. Oh, on a une petite pièce qui monte là. Ah oui, c'est juste pour ça. Mmh. Très bien, très bien. Ça aurait été un anachronisme d'avoir une télé, mais... On ne contrôle pas ce qu'il y a chez les gens. Je savais pas trop. Donc voilà, par contre, oui, il y a ça, ça va pas, quoi. Mais bon. Bon, alors, cocotte, on va finir la fête d'anniversaire et on va rentrer. Merci d'être venu, j'ai passé un très bon moment. Allez, on retourne à la maison. Ok, alors... Oh là là! Oh là là! Qui c'est qui a cassé la maison? C'est elle, saloperie. Tu vas gueuler sur ta fille. Éducation. Type non récent, sévère. Hurler dessus pour casser la maison de poupée. Toi, de où tu dors, déjà, hein? Tu viens ici, tu t'occupes. Toi, tu meurs,
Tu vas aller prendre un bain de mousse pour te faire du bien. Albert, ok. Les garçons, ils se font leur life. Demandez conseil. Non, t'as fait. Vous avez fait vos devoirs. Fais tes devoirs. Toi, t'as fait tes devoirs. Toi, je te laisse manger. Toi, non, Etty. Tu vas faire. Tu vas aller courir encore. Comme ça. On t'a arrêté en plein milieu de ton pseudo-footing. Pierre-Nard! Répare la maison! C'est ta gueulée sur ta fille, ok, mais répare-la au moins. Elle a compris, hein, elle fera plus. Ah putain, elle a besoin d'aide pour le pot. Et à la fin. Viens ici, saloperie. On va ouvrir. Hop, on va prendre ça. Tu vas prendre une portion. Oui, bah elle a très faim, bah elle a qu'à se nourrir elle-même. Hein. Elle ouvre le frigo, elle prend ce qu'il y a dedans, et puis basta. Hein. Jermaine. Oh, Jermaine. Toi, t'es fatigué, tu m'aimes pas, Pierre-Nard, ça va. Il y a pire, il y a mieux. Tiens, tu vas faire évoluer tes plantes. Non. Voilà. C'est celle-là. Non, c'est celle-là. Oh. Là. Là. Il y a trop de trucs à faire évoluer, moi je suis perdu. Bref, il le fera lui-même, hein. Tant pis si je l'ai mis, j'ai cliqué 15 fois sur la même. Celle-là aussi. Hop! Allez. Ah, mais voilà, il a enfin mis une autre tenue, parce qu'on voyait toujours avec son chapeau, et ça c'est une autre tenue. Pareil, c'est un CC. En fait, si vous voulez, c'est carrément le CC de la tenue de Newton, je sais plus comment, des Animaux Fantastiques, qui est le préquel de Harry Potter. Bon, moi, je connais pas Harry Potter, mais j'ai vu les Animaux Fantastiques, et j'adore l'acteur qui joue Newt. Et franchement, j'ai trouvé le CC, et je me suis dit qu'il collait bien avec l'époque aussi, et donc voilà, je dis à Pierre-Nard, est affublé de cette tenue. Et ça lui allait super bien. Toi, je suis pas sûre. Tu vas faire ça avant. Oh, ça y est. Oh, ça y est. La lessive, la lessive, la lessive, la lessive. Oh, 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 la lessive, ça faisait longtemps qu'elle nous avait pas fait chier. La lessive, quoi. Albert, je t'avais dit. Je t'avais pas dit, mais il faut que tu fasses tes devoirs. Donc tu fais pas de bêtises. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'amuse. Ok, bah écoute, amuse-toi, t'as raison. T'as pas fait tes devoirs non plus, par contre, je suis sûre. T'as fait ton pont. Tu vas faire tes devoirs, c'est plus important. Joséphine, elle va vérifier s'il n'y en a rien oublié dans les poches de notre linge. Tac. Puis elle va les laver. Oh, Pierre-Nard! On a besoin de toi. Toi, ouais, t'auras vachement besoin de... Ah, on a récupéré 50 simflouzes. Comme quoi, c'est important. C'est intéressant, je veux dire. Faire la lessive dans une bassine. Allez, go! Non, non, tu vas pas dormir tout de suite. Hein. Pas arrivé, hein, Joséphine. La vie, c'est pas ça. Hein. Tu sais très bien que ta vie, elle est pourrie. Toi, ta vie, c'est la lessive, les gosses, la ménage, la bouffe. Voilà. Non, pas tous. On s'appelle pas tous Pierre-Nard. Hein. Ah, écoute l'histoire drôle, d'accord. Ah, bah elle est pas fatiguée, la petite. Hein. Là, tu vas aller jouer à la poupée. Tu vas empiler. Et tu vas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, ça non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, tu vas acquérir plein de choses. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est déjà pas mal. Meilleure créature du vide. Oh, contre les émotions, émotions de conflit. Voilà. Arthur, tu vas... Non! Saleté! Tu vas aller prendre un bain et tu vas te coucher. Lui, il est parti dodo. Lui, il fait... Il a pas fait ses devoirs? Je lui ai dit de faire ses devoirs. Il les a déjà fait. Bah c'est bien, tu vas être couché. Toi, je veux plus te voir. Toi,
T'es pas en bon état, ma petite Louise. Tu vas donc aller aux toilettes. Tu vas... Non, tu vas y dormir directement parce que là, c'est pas possible. Elle a fait partie pour sa lessive. Joséphine, 2h17 du matin, on fait la lessive à la main. N'importe quelle heure du matin, on fait sa lessive la, 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 dans la bassine. Qu'est-ce qu'elle veut? Accrocher du linge à la corde à linge. D'accord, ouais, c'est son kiff. Hein. Ouais, elle est un peu bizarre quand même sur les bords. La meuf hyper classe et tout qui fait la machine, enfin qui fait à la main quoi, c'est priceless quand même. La pauvre. Là là là. C'est dur la vie, hein. Non, 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 tu vas vider la lessive sur la corde à linge. C'est ton envie, en plus tu aimes ça. Après, tu changeras l'eau directement. Voilà. Va réaliser sa petite envie. Et 25 points de bonheur. Ah là là. C'est dur la vie d'une femme au foyer. Tu vas éteindre ça. Tu vas nettoyer tout ça. Ça aussi d'ailleurs. Ouais, je suis désolée, Joséphine. La petite, elle va aller au dodo comme une grande. Tout le monde est parti se coucher, et un peu tard en même temps, 4h du matin. Donc, Joséphine, on compte sur toi. Oui, allez, va. Plus vite c'est fait. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'avais mis une poubelle. Ben, c'est parfait, allez, tu vas te coucher, et puis on sera bien pour cet épisode. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Va dormir. Non mais les gosses, quoi, je sais pas ce qui leur passe par la tête. Ils se disent, oh bah tiens, pourquoi à 4h30 du matin, alors que j'ai pas dormi assez, je vais aller jouer à la poupée. Je vous jure. Je vous jure. Qui c'est qui a pas rangé le truc? Et tout défoncé le jeu. Oh, tais-toi avec ton ours, hein. Allez, au zoo. Au zoo, au zozo. Oh, putain. Va dormir! Tu vois pas que je t'attends pour clôturer l'épisode, là? C'est pas possible. Va dormir, idiot! Oh là 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 là, c'est compliqué leur vie. Ça y est, c'est enfin fait. Je vais clôturer ici cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En espérant, oui, qu'il vous ait plu. Et en espérant vous revoir donc pour le prochain épisode du DK Challenge ou d'autres choses. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à laisser un message ou à vous abonner. Allez, salut!